J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis le PDG de Baroque Communication. Baroque Communication en Côte d'Ivoire, Baroque Communication en Guinée. Alors, en Guinée, c'est Baroque Entreprise, parce qu'on a plein de choses en Guinée. Le projet, la construction d'un hôtel, la restauration, l'usine d'Akeke en Guinée. Et puis, bon, nous sommes dans l'événementiel, etc. Alors, en Guinée, nous sommes maintenant, Baroque est maintenant installé au Sénégal, à Dakar, en tant que Baroque Communication. Nous sommes dans la communication digitale des entreprises, aussi dans la vente en ligne, aussi dans le coaching. Nous sommes aussi dans la vente de voitures, location de voitures, les studios d'enregistrement audiovisuel. Voilà, le transport maritime à partir de Praia, Dakar, Conakry et Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes un événement. Et donc, c'était vraiment important que nous communiquions un peu là-dessus. Voilà, je suis avec mon personnel. Voilà. Alors, viens. Ça fait un direct, ça appartient de mon compte, ma page Facebook. Voilà, je vais la faire entrer. Pas de flex. Non, vas-y, comme ça. Faut soulever un peu là. Faut. Non, placer ça comme ça. Comme ça. Voilà. T'es cadreuse, non? Ouais. Ah. Tu peux soulever? Pas de problème. Ça va, papa? Ça va? C'est bien. Merci. Ceci est le présent contrat de travail à durée déterminée entre ce souligné Madame Fatou Fall avec l'entreprise Baroque Communication, dont le siège social est situé à l'immeuble Khadim Rassoulouna Almaty, lotissé 5402, quatrième étage, appartement 22. Représenté par Monsieur Djuro Chaloum, agissant en qualité de président, directeur général de Baroque Communication, d'une part, et Mademoiselle Fatou Fall, demeurant à Parcelles, assainie une débat. De nationalité sénégalaise, naissance 17-6-97. D'autre part, il a été convenu ce qui suit. Article 1, motif, Mademoiselle Fatou Fall, Fatwa, est engagée par Baroque Communication en vue de l'aide à faire face à un accroissement des activités. Article 2, emploi occupé. L'emploi occupe Mademoiselle Fatou Fall et employée en qualité de manager des communications digitales. Elle aura pour mission l'accompagnement de la production de l'information de management et d'expertise sur la partie communication digitale. Article 2, durée. Le présent contrat prend effet le 18 novembre 2022 à 8 h et prendra fin de plein droit et sans formalité le 18 décembre 2022. Article 3. À 4, lieu de travail. Le lieu de travail est situé à l'immeuble Khalim Rassourougol Almadi, lot 5402, quatrième étage, appartement 22, et en grande partie de déplacement sur le terrain. Article 5,
durée du travail. Les horaires seront les suivantes. Les lundis, jeudis et samedis, de 10h à 15h, avec des astreintes horaires irrégulières. Article 6. Rémunération. En contrepartie de ces fonctionnalités, Madame Fatou Fall percevra le salaire de 200 000. Mon salaire, autant pour moi, de 200 000 lui sera versé à la fin de son contrat. Article 7. Indemnité de fin de contrat. Aucune indemnité de fin de contrat n'est prévue sur ce contrat. Article 8. Clause de confidentialité. Les parties s'engagent à conserver secrètement les informations marquées comme confidentielles ou secrètes et transmises entre elles. Elles s'engagent à prendre des mesures nécessaires à l'égard de leur personnel, de leurs sous-traitants et fournisseurs pour assurer sous leur responsabilité cette confidentialité. Article 9. Rupture anticipée pour faute grave ou force majeure. Chacune des parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au contrat immédiatement en cas de faute grave de l'autre partie ou de force majeure. Faisant double exemplaire, à Dakar, le 18 novembre 2022, signature de l'employeur et du salarié procédé de la mention manuscrite, lue et approuvée. Attention, les pages du contrat doivent être paragraphiées par l'employeur et le salarié. Fatou Fall, Monsieur Barou. D'accord. Ça vous va? Oui, j'ai vu lundi, samedi, dimanche. J'ai vu deux semaines. Pas dimanche. Lundi, jeudi et samedi, autant pour moi. Et 200 000. Je ne sais pas ce que tu es levé pas, mais j'ai décidé que ce soit. Ok, c'est bon, je vais vous en faire. Non, on n'a pas fait un contrat de travail. D'accord. Vous venez pour l'essai. Si c'est conclu, on peut décider de faire trois. Si ça vous va, on signe le contrat. L'autre chose que je devrais préciser, au cas où je devrais avoir un déplacement. Non, mais ça c'est du script. Oui, je signale ça. C'est ce qu'on a dit dans le contrat. Voilà. Si il y a quelque chose, vous signalez. Sinon, c'est trois fois dans la semaine. Vous venez trois fois dans la semaine, c'est tout. On aura besoin de trois fois dans la semaine, la lundi. On aura besoin de vous, je pense, de jeudi. Et on aura besoin de samedi, puisqu'on est dans l'événement certes. Donc, nos tours seront plus samedi. Maintenant, 15 jours, il y a un souci. On essaie de négocier. D'accord. On en reparle. Hein? On signale ça, quoi, à l'avance. Mais oui, tout c'est signé à l'avance. Nous sommes des humains. Tout peut arriver. Même moi, je peux avoir des contraintes. Tout peut arriver, donc c'est au cas où il faut les signaler, signifier 24 heures. Merci. Sinon, 48 heures. Pas de souci. D'accord, ça va. Ok, allez-y. C'est long, n'aie pas peur.
Ça, c'est immortaliser ta présence dans la structure. Et comme Baroque, nous savons faire des bonnes choses, amène-moi la bouteille de champagne. La première fois que tu vas boire l'alcool. Non, ça ne sera pas la première fois. Nous savons faire des bonnes choses, Baroque. Immortaliser des moments, c'est important. Nous faisons les contrats des événements. Donc, l'introduction dans le baroque, c'est l'événement. On doit quitter baroque, c'est l'événement. Oui, si on vient à baroque, c'est un événement. Si on part de baroque, c'est un événement. Parce qu'on bâtira en gardant les bonnes relations avec baroque. Donc, tout est un événement. Voilà, il m'aurait été souhaité la bienvenue dans la structure. On espère bien, Inch'Allah, que tu verras bien ton boulot. Le temps d'attendre que tu aussi me donnes un plan, une stratégie de communication. Voilà, donc voici un peu. Tout en temps. C'est vrai qu'il y a Dieu, mais nous autres, on te regarde à la fin. Alors, s'il y a des accompagnements, je ne sais pas. On a toujours dû, on a déjà la voiture, on a les choses qui vont accompagner. Par semaine, etc. Donc, voilà. En train de boucler une année, maintenant si c'est bon, on peut renouveler un contrat. Tout dépendra de toi. Voilà, tout dépendra de toi si tu veux que le contrat soit. Non, les verres de champagne, prend le baroque au sérieux là. On est dans le carton. Moi c'est dans le bissable là. C'est pas du bissable, monsieur. Il a pensé que c'était quoi bissable, oui. Il envoie des verres d'eau. Bon, là, c'est sans alcool. Oui. C'est sans alcool. C'est pas mouette. Vous pouvez vérifier. Oui, mais j'ai vu tout à l'heure. Ah, tu as vu? Oui. C'est sans alcool. Si on respecte les religions. Mais chez les chrétiens, on boit. Je connais beaucoup de musulmans qui boivent. Oui. Au fait, la boire, c'est pas un problème. Pour ne pas boire, on dit n'aimez pas. Parce que. Plus on boit, plus on a envie. Ça crée l'envie. Donc, pour ne même pas envie, il ne faut pas boire. Sinon, je connais. Je connais beaucoup. Ce sont des amis, des parents. Qui boivent bien. C'est la vie là qui est dangereuse. Ouais. Voilà. Enlève-moi les petits défaits, les petits bizarres, les trucs. Celui-là, tu le verras. Va dire à ta soeur de rester ça. Et emmenez-moi, parce qu'on a un cocktail, c'est tout le monde. On va présenter le personnel pour qu'elle puisse savoir qui fait quoi ici. Hein? Le cocktail, ça fait le gâteau. Tiens ta soeur d'enlever le plus rapidement. Donc on compte sur toi, on compte sur Dieu, on compte sur toi. Voilà. J'espère que tu seras là le prochain jour. De registre, tout ça, pour enregistrer à l'heure à que tu arrives, tout ça. Voilà, pour nous, 2023, c'est une année où Baroque va exploser. Au niveau de Dakar, on a pris quand même le temps d'étudier, parce que c'est très important en matière d'investissement. On n'a pas plus que ici, enlève le petit truc que je veux. Ici, on a compris qu'il y a. Ici, Dakar se trouve événementiel. Dakar, c'est digital. Dakar, c'est pas mal de choses qui me donnent raison de m'investir même à fond. Donc, dès que Baroque arrivait, il fallait quand même prendre le temps de pouvoir. Étudier le terrain, surtout étudier le terrain et puis maintenant mettre une stratégie d'entreprise en place. Donc c'est ce qu'on a fait. Et pour nous déjà, vous aurez en fin d'année, il y a tout ce qui est diapo. Vous aurez l'occasion de voir Baroque, Côte d'Ivoire, Baroque, des gens viendront, hein. Baroque, Côte d'Ivoire, un peu le Sénégal, ce genre-là. Et puis on va essayer de parler de nos différents projets. Parce que les choses que nous avons concrétisées, il y a des éléments qui viendront à Côte d'Ivoire.
Il y a d'autres qui viendront de la Guinée et puis on aura l'occasion de collaborer, parler ensemble, discuter entre. On essaie d'étudier, on s'est dit, il y a d'autres places ici. Il y a une autre place. Parce que, comme je disais, moi, à la télé la dernière fois, je me sens à l'aise partout. À moi, ce qu'on m'accueille bien. Si on ne m'accueille pas bien, je m'en vais. Mais si je suis bien accueilli quelque part, je m'installe. Parce que pour moi, il faut venir au secours d'Afrique. On n'a pas besoin. Pourquoi les gens, les blancs, les occidentaux viennent, on les accueille? Voilà. Et les gens se plaignent. Non, c'est le tout. C'est champagne, monsieur. C'est un événement. Qu'est-ce que tu. Tu as besoin d'une délivrance, l'esprit de coca. Il faut que l'esprit de coca délivre aujourd'hui. C'est quelle mayonnaise. Mais il y en a deux bouteilles. Si tu veux, amène la deuxième bouteille. C'est l'esprit de coca qui l'anime. Quand le champagne est là, on n'envoie plus coca. Et puis c'est un champagne, c'est sans alcool. Hein? Voilà, donc il faut travailler, il faut commencer à travailler. Pour nous, c'est une manière de. Encourager les jeunes investis. En tant que moi, président de jeunes investisseurs chrétiens africains, je gère 400 personnes. Voilà, 400 personnes dans le monde. 400 personnes dans le monde. Je me sens à l'aise chez moi. Je me dis à Dakar, je suis chez moi. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Quand je suis, qu'on appelle en Guinée, je suis chez moi. Je serai bientôt à Praia au Cap-Vert chez moi. Voilà, et donc au Niger. Nous serons bientôt sur le Niger. Voilà, nous allons travailler là-bas dans l'Afrique de l'Ouest. Une fois on maîtrise l'Afrique de l'Ouest, nous allons réfléchir à défendre l'Afrique du Centre. C'est un peu ça. Voilà le groupe de Baroc. Donc, Baroc, là, c'était beau. Donc, voilà, donc Baroc, le vous regrette. Quand un homme est bien accueilli quelque part, il reste. Hein. Voilà, et c'est parce que j'ai été très bien accueilli. Alors, lui, c'est pape. Lui, il s'occupe de la logique. C'est lui qui gère tout ce qui est logistique. Le pape a été quelqu'un qui. C'est pas lui que j'ai décidé de m'investir. Quand on dit la Teringa, c'est lui qui m'a fait vivre ça derrière, dans le premier temps. Alors lui, il était chauffeur déjà. Et j'étais venu pour quelque chose ici, et il me prenait, on visitait Dakar. Les choses qui m'ont marqué, quand je suis parti, là, mon WhatsApp m'a écrit. Donc, ça m'a déjà marqué quelqu'un qui reste encore truc. Donc, quand je suis revenu, on est resté en contact et je lui ai dit, je mets un business en place. Et donc, du coup, je l'ai donné du taxi pour l'engager définitivement en tant que chauffeur et en tant que le responsable de la logistique ici. Voilà, donc c'est parti de là. Mais il a été un catalyseur, c'est lui qui m'a plus motivé. Il a été un catalyseur, c'est l'un de ceux qui m'ont plus motivé à plus investir ici, tout ça. Ça m'a permis d'aller chez lui en famille. Je me suis déplacé, aller connaître sa mère, sa petite famille, parce que je me dis, un gars qui est comme ça, souvent il reste jusqu'à 3h du matin avec moi. On a pris quand même le temps de réfléchir, tout ça. J'étais dans une résidence, on discutait. Et je lui ai dit, non, on n'investit pas comme ça. Il faut regarder tous les paramètres. Voilà, parce que moi, je suis un responsable d'une association. Demain, les gens me poseront des questions. Il faut que je sois en mesure de répondre aux gens. Et justement, c'est juste après tout ça que j'ai demandé à ma structure d'être là. On a vécu un événement ici où tu étais sous la pluie. Mais c'est l'un des gens qui m'ont amené à comprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y avait des amis sénégalais, mais le plus, celui, il était un catalyseur, c'est l'un de ceux qui m'ont amené à m'investir. Il était l'un de mes conseillers, je discutais avec lui, etc. C'est vrai qu'il y a des amis à l'étranger qui étaient heureux, voilà, que je sois au Sénégal, mais lui, je le découvrais comme ça en décembre, en plus, en décembre, quand c'est arrivé. Voilà, donc désormais, Baroc a sa place ici au Sénégal. Compte sur vous. Voilà. Moi, j'ai toujours. On pose la question, je dis, mais c'est avec les Sénégalais. Je suis au Sénégal, c'est avec les Sénégalais. Quand on sera en Guinée, c'est avec les Guinéens, ils travaillent. En Côte d'Ivoire, c'est avec les Ivoiriens. Donc, je ne peux pas être en boîte ici. J'étais la dernière fois, c'est vrai qu'en ambassade, on a rencontré pas mal d'Ivoiriens qui voulaient le truc. Mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Sénégalais. Pourquoi? Parce que je suis d'abord africain. Je ne suis pas nationaliste. Voilà. Je suis
sud-africain. Et ça, cet esprit-là m'anime. Je ne suis pas trop ethnique. Il y a des gens qui sont nationalistes ethniques, ce n'est pas leur ethnie ou leur nationalité, ça ne passe pas. Non, moi, je ne suis pas africain. Voilà. Je me dis, si je suis au Sénégal, ça va être le Sénégal. Et ça me permet aussi de m'intégrer et qu'on aide aussi la communauté. Voilà, donc sur ce, un contrat, c'est un événement. Hein, c'est un contrat, c'est vraiment un événement de taille, bon arrivé. Et nous te souhaitons toute la bénédiction. Chez vous, vous dites, à l'âme de Dieu, c'est la même chose. Hein. Mais ça, c'est en arabe. En Dieu, en Allah, c'est quoi? Yallah. Ah, Yallah, je préfère Yallah. Sinon, Allah, c'est Yallah. Yallah. Mais Yallah, c'est Yallah. Yallah. Ouais, c'est-à-dire le Seigneur Dieu. Yallah, c'est le. Allah, c'est le Seigneur. Ah, non. En arabe, on dit Yallah, c'est le. Yallah. Mais c'est en hébreu aussi Yahweh. Je bénis Dieu. C'est voilà, donc, je vais poser ma signature. Ah, c'est bien posé. Tenez, posez votre signature. Nous allons passer... Voilà, presque. Non, c'est comme ça. Allons-y de l'autre côté. C'est des exemples. Non, tu peux c'est bon, je viens ici, pas du Katimono, je suis non. Ok. Voilà. Donc, désormais, elle signe ici en tant que manager, communiquer, voilà, donc. Comme si tu savais être en rouge, comme tu as tenu du Maroc. Vous connaissez l'importance du rouge? C'est la vie. Le sang est rouge. Sans le rouge, il n'y a pas de vie. C'est le seul liquide qu'on ne peut pas fabriquer. Et c'est là que ceux qui sont incrédules, il faut leur dire que Dieu existe. Si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, il faut lui dire, bon, comme vous croyez à la science, fabriquez-moi du sang. Terminé. Ils vont sur la lune. Ils vont sur les étoiles. On ne peut pas fabriquer le sang. Parce que Dieu est vie. Et les secrets que Dieu ne veut pas donner aux gens, c'est garder pour le seul. Donc respectez Dieu, ou les incrédules et athées. Voilà, donc, toi tu sais pas claquer le champagne? Non. Quand on veut claquer le champagne, on enlève le costume. Ah bon? Vous apprenez les bonnes manières. Vous apprendre de bonnes manières. Monsieur, allez-y. Ben, c'est sans alcool, hein. Vous allez nous agresser. Ouais, c'est. Comment on appelle ça? Shampoo. Non, mais c'est pas calomé, hein. Observer d'abord. Pas le patron qui observe.
Bonne chance. Et puis, que Allah vous bénisse. Amen. C'est sans alcool, n'ayez pas peur. C'est sans alcool. Maintenant, celui qui est saoulé. Que ça délivrance. Voilà, il y a le... C'est bon? Venez vous servir. Venez. Comment ça s'appelle? Alors, on va présenter, ça c'est Ibrahim. L'infographe... Présente-toi, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Ibrahim. Je suis l'infographe, en même temps manager d'événementiel de Baroque Communication Sénégal. Merci. Présentez-vous. Bonjour, moi, je suis Fab, je suis le chef de Baroque Communication. Logistique. En même temps, je gère logistique. Habituez-vous à parler. Oui. Bonjour. Vous avez devant vous Fatou Fall, je suis manager et chargé de la communication digitale de Baroque Communication Sénégal. Voici l'équipe, voici Baroque Communication. Merci beaucoup. Servez-vous. Ben, c'est un cocktail. Celle qui est derrière là, vous allez voir très bientôt. Voilà. Voilà, donc. On vous donnera l'information d'ici une semaine. C'est pas Bissap. Hein? Non, il n'y a pas d'alcool. Pas d'alcool. Non, non. Oui, c'est sans alcool. Jus de pomme de l'air. On a donné ça. Quand j'ouvrais mon restaurant. Non, il faut que tu prennes. Quand j'ouvrais mon restaurant à Zérecoré, j'ouvrais le restaurant à Zérecoré, on a payé ça. Les imams sont venus, les pasteurs étaient là pour bénir. On a donné le... L'imam a regardé jusqu'à... Il dit, lui, il ne boit pas. On lui a dit, non, c'est sans alcool, il préfère ne pas boire. Un imam dit, non, il ne touche pas ça. Il dit non, le problème c'est la bouteille. C'est la bouteille. Même si le contenu, il n'y a pas de l'alcool, mais la bouteille ressemble à quelque chose où il y a l'alcool. Je lui ai dit, mais c'est grave là. Jusqu'à ce point là. Il dit, préfère, regarde, il prend la bouteille, il est intellectuel, il lit. Il dit, mais regardez, il n'y a pas de l'alcool. C'est... Il dit, non, la bouteille, là, elle ressemble à le truc, là. Voilà, donc c'était Baroque Communication et on ensemble. Nous devons nous battre pour faire avancer l'Afrique, ça c'est très important. Je demande à tout le monde de venir, surtout investir. Levons-nous, venons au secours de l'Afrique. Venons investir en Afrique parce que c'est très important. Voilà, l'Afrique étant le continent d'avenir. Chacun a sa place sur le continent africain. Nous sommes tous africains. Décidons de faire avancer l'Afrique. Décidons de créer des emplois. Enfin, d'empêcher aussi l'immigration clandestine. Tout ça, c'est important. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Alors, c'était Baroque. Et on est ensemble.